Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui avec Jovan pour présenter son Citroën C15. Du coup c'est un petit C15 avec, comme j'ai dit, un E9 turbo D, donc dans le char. Qui fait 92 chevaux d'origine. Ouais. Donc là il est un petit peu modifié, donc t'as l'échangeur en façade qui est caché derrière. Ok. Je sais pas si on le verra, mais il est derrière la grille on va dire. Ouais, on le voit bien. L'échangeur qui est là. L'arrivée d'air qui est prise dans le pare-choc, donc t'as un petit raccord qui est ici. Ok. Qui va jusqu'en bas. Juste ici comme ça. Parfait. Et ça, sinon, du coup, c'est toi qui as tout fait, quoi. Ah ouais, du coup, ouais. Pression turbo, 1,5 bar, et la pompe retouchée. Sinon, il n'y a pas vraiment de grosses pièces dessus. Et là, on a environ 130-140 chevaux pour quasiment 300 newtons. Incroyable. Donc pour 930 kg, presque 100 chevaux de plus, hein. Et ouais, ouais. Dans quoi, ça avance bien. Donc là, t'as un petit cache fait maison, du coup. Parce que normalement, tout à la batterie, les faisceaux, quoi, tu vois. Ok. Un petit cache qui est fait là. Là, un petit cache maison, parce que normalement, t'as les fusibles, c'est un peu dégueulasse. Du coup, j'ai fait un petit cache propre ici. C'est magnifique. T'as l'arrivée de gasoil qui est ici avec la petite pompe pour amorcer. Ouais. Ça, c'est un filtre à gasoil de 320 CD E46. D'accord. Normalement, t'as un filtre qui est là et souvent il fuit. Du coup, je l'ai viré. Moi, c'est plus propre et plus fiable, on va dire. Je vois que t'as vraiment mis l'accent sur la propreté. Voilà, faut que ça propre, tu vois, que ça soit fiable aussi, tu vois. Parce que le C15, je le prends tous les jours pour le travail. J'ai quasiment 30 bornes avec tous les jours. Donc là, en un an, il n'y a eu aucun problème. Jamais rien qu'à déconner, quoi. Ça, c'est et ça, parfait. C'est tout récent. Alors, du coup, là-dedans. Tu mets de l'eau à l'intérieur. Ouais. Et en bas, tu vois, t'as un petit durite qui part comme ça là. Avec des petits trous tout le long. Et en gros, si tu veux, au début des runs, j'actionne le lever de la glace. Et je sais pas si tu vas voir ici, si on le voit bien. T'as un petit moteur de la glace qui est ici, quoi, tu vois. Ok, et ouais. En gros, ça aspire l'eau et ça t'envoie de l'eau en pression sur l'échangeur. Pour le refroidir, je sais pas, pour que ça. Pour que tu chauffes au moins, quoi, tu vois. Nickel ça. Mais incroyable. Ça te le refroidit tous les changeurs. Et installation maison aussi. Installation maison, ouais. En fait, à la base, c'est un réservoir de lave-glace d'origine que j'ai chauffé pour modeler la forme du phare qui est derrière, quoi, tu vois. Ah du ouais. Coup, t'as le bocal qui est en dessous, quoi, tu vois. C'est incroyable. Et la barre de renfort, au milieu, enfin la barre anti-rapprochement. Ouais. C'est une barre de 306 turbo D. Ok. Un petit peu modifié, quoi. Et comme tu disais tout à l'heure, ça aussi, c'est fait maison, tout, voilà, le, ouais. Tout le rappel rouge. En aluminium, ouais, tout peint en rouge, avec des petits rivets tout le long, pour que ça bouge, quoi. Puis le. Le petit harnais comme ça là, ça va bien, c'est incroyable. C'est rigolo quoi. J'ai pas l'habitude de voir ça. Je pense que personne s'y attendait à celle-là. C'est vraiment, on refilme un petit coup le moteur. Et niveau perf du coup, tu sors du combien au 0 à 100 avec ça? Ah, 0 à 100 là, sur un... Au tout début que j'ai fait la prépa là, sur les premiers réglages, on était dans les 8 secondes quasiment à 0 à 100. Ouais. Et là, sur un... on a fait un test récemment là, qui était bien frais le soir quoi, tu vois. Et bien à 7 secondes 2. Une fois que ça fait 14 secondes d'origine, ah ouais, non, ça va un peu mieux. T'as vraiment fait du bon taf. Hein. Ah, c'est rigolo. Parce qu'on n'en verra pas beaucoup d'aussi propres. Bah, très honnêtement. Je suis pas le premier à le faire, je suis loin d'être le premier à l'avoir fait. Mais il n'y en a pas beaucoup qui l'ont fait proprement, on va dire. Et ouais, ouais, ça ouais. Fait un peu la différence. Puis du coup, en plus, de base, t'es pas trop dans la mécanique automobile. Ah, pas du tout, non, moi là-bas, je suis menuisier. C'est mon premier travail sur un véhicule, on va dire. Avant, je faisais des mobilettes, des 50, quoi, tu vois. Ça n'a plus rien à voir. Ah, mais donc ça va, dans le jardin, sur des palettes. Tu nous as vraiment fait un truc de fou quand même. Hein. C'est un peu long mais ça se fait. Moi, je pense qu'on va voir. Alors du coup on va essayer de filmer le klaxon. Regarde, parce que tu vois un peu la trompe là. Ah ouais, juste en bas. Ah ouais parce que là ça... Wow. Oh bordel. C'est abusé. Mais c'est sympa. Mais est-ce que t'es chaud de nous montrer ça sur route? Ah bah ouais, c'est le plus important. Allez. Je crois que c'est essentiel. J'ai hâte de voir ça. Oh. On va filmer un petit démarrage. Est-ce que tu peux démarrer l'engin? Allez. Ah ouais, on entend le turbo qui souffle. Fais gaffe à toi, hein. Vas-y. Je vais incroyable, c'est magnifique. On se retrouve du coup en passager dans le C15. Ce que je note tout de suite, c'est le confort des sièges, mon ami. Ah, c'est incroyable, je te jure. Ce qui est bien, c'est que tu vois, t'as un mélange de sièges confortables
Et en même temps, c'est un petit peu vagué, tu vois, on a un virage. Ouais. Ça maintient un petit peu quand même. Mais alors, vraiment, mon canapé est moins confortable pour vous donner un ordre d'idée. Au niveau des jambes, on a de la place, il n'y a pas de souci. La position en passager est bonne. Un beau point de vue sur la route, on est assez haut. C'est ça. Tu vois, même quand t'es assis, tu vois là, t'as la portière qui est vachement basse. Ouais. Du coup, c'est quand même agréable, quoi, tu vois. Ah, c'est clair. Pas renfermé en fait. Tu sens très bien. Avec les fameux rétroviseurs. Porte gobelet. Oh punaise, je connaissais pas ça, tu vois. Poser ta bière quand tu conduis, bah, pour mieux éviter. La boîte qui est très très courte. Bah là, regarde, on est à 30. C'est déjà en deuxième. Troisième. Quatrième. Et ouais. C'est bien, c'est, tu vois, il y a quand même beaucoup de couples. Et oui, oui. On est en cinquième à 50. Ça va bien. Franchement, c'est incroyable avec la petite aiguille qui chigote là. Dans le dosage, regarde, on est à 70. Franchement, on sent rien du tout et celui-là, vous le savez, il est costaud. Il y a un peu de bruit à l'arrière, ce qui est normal en prenant le dosage à cette vitesse. Qu'est-ce qui a fait que tu as acheté ça? Alors à la base, tu vas acheter une voiture pour travailler, tu vois. Ouais. Pour aller de la place, il y a un truc assez fiable qui passe au niveau des critères. Hey. Du coup, il fallait un véhicule collection, quoi, tu vois. Et oui, oui, oui. Du coup, j'ai pris celui-là qui est de 92. Moi, il est passé dans les critères. Ok. Et moi, je l'ai ramené, c'était au Mont Ventoux que je l'ai ramené. D'accord. J'ai fait quasiment 2 heures de route avec. Ah ouais. Je me suis vite rendu compte que c'était un veau. Et oui, oui, oui. Que ça avançait pas, quoi, justement. Et du coup, je crois qu'il est resté 3 jours d'origine. Au bout de 3 jours, il était déjà en pièce dans le jardin. Et j'ai une petite question d'ailleurs. Niveau consommation, t'es à combien? En voyant comme ça, tu vas être dans les 6 litres. Ah ouais? 6% ouais, et en tirant dedans, tu arrives à 8 litres. Ce qui est bien, c'est que même si c'est pas très puissant non plus, quoi, tu vois, il est quand même très léger. Et ouais. Donc là, en comparaison, je marche comme des caisses, je prends pas plus d'une tonne 5 pour 200, 300 chevaux, quoi, tu vois. J'ai vu aussi que t'as mangé une Mazda 3 MPS. La Mazda 3 MPS, ouais, 260 chevaux, je suis devant, pareil. Après, ce qu'il y a, faut se dire, c'est qu'il marche fort sur un 0 à 140, quoi, tu vois. Ouais. La boîte qui est courte, après, au-dessus de 140, on me remonte facilement. Mais sur un départ arrêté 0 à 140, je suis souvent devant, on va dire. Et ouais, c'est le meilleur délit qui soit parce que le confort de suspension il est incroyable. Ouais, c'est cool, là, vraiment. Tu les as pas touchés les suspensions? Non, tout d'origine. Et ouais. Un bord tout d'origine, ressort d'origine. Incroyable. Il n'y a que le freinage des jantes qui ont été modifiés. Après, ça peut mouche, tu vois. Ça se. Ouais, il y a énormément de mouvement de caisse. Oh, le couple! Incroyable. On voit que le véhicule est très très fin. Ouais. Qu'est-ce que ça marche? Ouais, ça freine bien hein. Enfin, je sais bien le freinage là. Là quand les freins sont bien chauds, franchement t'appuies moyennement fort, les 4 roues elles doivent être direct. Hein. Ah ouais? Non, ça freine vraiment bien. Le problème cas c'est que du coup, du coup, vu que j'ai les trains d'origine, on va dire, ouais, ils tiennent pas trop, quoi, tu vois, là les trains avant, il a un an, et déjà mort, quoi, tu vois, là. Et ouais. Ça prend tellement de contraintes dans l'accélération et en freinage, ils ont du mal à tenir, et bon. Ah, mais tu lui mets tellement de coupes dans la tronche aussi, que... Après, ce qui est bien, c'est que les pièces coûtent pas cher. Là, les deux triangles avant, ça met pour 40€, quoi, tu vois. Et ouais. Oh, c'est... C'est pas trop grave. C'est un régal. Si t'avais des inconvénients avec ce véhicule, quels seraient les mauvais points que tu pourrais citer? La boîte très courte, enfin, mauvais point, oui et non. La boîte est courte, c'est bien pour les runs, la montagne, quoi, tu vois. Ouais. Mais pour des grands trajets, c'est un peu la merde. Ok. On va voir là. Ouais, je suis en 5ème, je suis à 70. Et ouais. Tu vois, t'as pas beaucoup de marge. Et ouais. Donc, ça, c'est un défaut. Et pour l'instant, il chauffe un peu beaucoup. Ok. Là, ça va, tu vois, mais quand il y a longtemps dedans, en plus, il fait un peu chaud maintenant, il a tendance à vite chauffer. Oui, c'est d'un confort, je sais pas si j'ai déjà vu ça pour te dire. Avec bien, les sièges en plus. C'est dingue. C'est bon? Vas-y. Personne sur Terre qui doit se dire ah oh, c'est qu'un ça marchera comme c'est ça. Waouh.
Ah ouais, c'est impressionnant. C'est impressionnant. C'est bon. On va faire un peu de chaud là, on va les refroidir un peu. Ah, dans le rond-point, on sent bien le mouvement de caisse. On le voit en porte aussi. Ouais. Ah, par contre, le couple qu'il y a et l'efficacité sur un départ arrêté. On sent que le train avant il saute et tout carrément. Ça tremble un peu. Il chope un Parkinson le véhicule. C'est beau. Et on n'a même pas parlé des options qu'il y avait sur le véhicule. Options, ben regarde, t'as le petit chapeau. Ouais. Le petit soulier en bas. R en haut, R en bas, c'est tout. Bah nickel. Et le chapeau et le soulier, c'est d'origine? Ouais, c'est d'origine, ouais. Excellent. Fais-nous un petit tir là voir le mano. Incroyable. Alors franchement, c'est un véhicule que je conseille. Hein. Non. Très grand charme, une belle âme et ça marche fort. C'est une voiture confortable, fiable, pratique, qui passe partout. Il n'y a rien de bien en vrai. Ah ouais, parce que même sur les chemins de terre, t'es pas emmerdé avec. Non. C'est fou, les 100 pas. Ça se voit la vidéo, en plus je tremble même pas. T'as les portes qui font du bruit, tu vois là. Ouais. Et après en fait tu sens rien sinon. Ouais non c'est ça. Vraiment smooth. Genre il y a tout qui est absorbé par les suspensions et par les sièges. Ouais tu vois, quand t'es un peu pressé. Oh c'est normalo, je l'adore. Ah oh, c'est beau. Ah oh, c'est serré là. T'as pas besoin de regarder de recul, juste recul, tu vois que ça me prête beau. Ah ouais ça monte. Mais non. Regarde, hop. Mais non. Sors dehors bien pour voir. Ah ouais. Garde tranquille sans forcer. Hein. Sans déconner. Mais attends mais quoi. Là il est à l'équerre. Est-ce que ça marche? Vraiment, cette sensation de coupe, ça, c'est quelque chose. Hein. C'est clair. Bah, sinon, de légèreté, je coupe le moteur. C'est vraiment agréable. Quoi. Ah ouais? Oh, ça tient quand même, hein. Ah, ça se démerde bien en vrai. Vas-y carrément. On ne peut pas freiner un fond en plus. Waouh ouais. Zapil hein. Là je vais freiner à fond encore tu vois. Oh putain. Ah j'étais pas prêt. Ah ouais d'accord. Ah mais il est vraiment bien partout. Non, regarde, si tu veux un freinage complet, regarde, on va s'arrêter au poteau, tu vois. Waouh. Après t'as pas la BS. Mais si tu fais un freinage propre, plus progressif, ça bloque pas et ça ralentit. C'est incroyable. Ça bien, quoi. Ah ouais, ouais. Tout va bien. Mais il c'est ça. Bien, il accélère bien, tu vois. Et la tenue de route est propre, on a pu le voir juste avant. Après là fais gaffe, après ce virage à gauche et plein de droite. Nickel hein. Ah, téléphone qui a déménagé. Malheur l'auto. Ah
Bah alors dans la corde de C15, ça régale. C'est con, pourquoi les gens arrivent en face, putain. Eh ouais. Avec un C15. Un coup avec le C15 pour ce qu'on a vu. On est passé par ici, tu vois là. Par la trace de roue, on est sans besoin de remonter là. Sauf que, en reculant, on a perdu une baguette. Là tu te dis merde, comment on la remet? Regarde, c'est bien ça, regarde. Sur un C15, tu n'as pas besoin d'outils. Tiens mes comptes. C'est comme neuf.